Ce film peut heurter la sensibilité des plus jeunes. S'il vous plaît, faites attention. S'il y a des mineurs dans la salle, veuillez sortir de cette salle. Jean Lassalle ! Alors, on va faire une première action. On va faire Lisa. Vous deux, vous faites les défenseurs. Okay, vous allez vous mettre un peu sous le panier. Au moment où vous shootez, essayez de faire des têtes bizarres entre la langue. Je fais un sauté retourné, un petit peu acrobatique. Vas-y, vas-y, vas-y. Première étape, pourquoi vous faites ça depuis comment? Donc là, sur web, on s'en fout, donc du coup, il y a un business à prendre, on l'a pris. Deuxième truc, vous nous présentez vos légumes. Bonjour, je m'appelle Alexis, je suis nouveau reporter en exclusivité. Aujourd'hui, nous allons interviewer Julien Bénet, mais d'abord Lucas. Lucas, aimez-vous ce stage du cinéma? Il a dit oui, c'est très bien. Cet homme-là, il n'est pas méga. C'est pas méga, méga utile, faut pas se le cacher, quoi, je veux dire. J'ai fait genre qu'il a des urisseurs et tout. C'est quand il va te montrer. Vous avez vu? Il a une sorte de boule de sang ici. Vous savez comment il a fait ça? Quand il va te montrer, forcément. Il a voulu faire le loverboard ce matin. Il a testé, il est tombé directement. Le caillou. Allez. Là, c'est facile, je veux qu'on arrive sur son genou. La machine à UV 2018. Vous voulez savoir comment je suis devenu noir? Mais non, c'est grâce à ta famille que t'es noir. C'est bon, c'est dans la boîte. Oh putain. Il fait peur. Il crie pas assez, hein, j'ai l'impression. Mais t'as vu, ça fait peur, ça arrive d'un coup. Non, tu peux pas me faire... Attends, je suis dans une pièce hyper sombre, je suis ouvert à fond. J'ai mon shutter le plus bas possible à 1/50 et là il me manque quand même de la lumière. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux rajouter des ISO. Donc ça va faire du bruit sur le signal. Ça va me permettre de récupérer de la lumière. Mais la contrepartie, c'est que ça va faire du grain à l'image. Ça va faire du fourmillement dégueulasse. La balance des blancs, ça va servir à balancer les blancs. L'appareil photo est en blanc de référence pour qu'il règle toutes ses couleurs. Donc là par exemple, blanc. Un homme noir de type masculin va cadrer. Lequel parmi vous? Avec des lunettes. Montre tout. Et vous avez gagné, effectivement. Ce sera moi. Vous pouvez vous applaudir. Mettez-vous là face à face. Tourne-toi, Jules, fais comme si tu discutais avec Emma. Ok, alors Emma, tu t'approches un tout petit peu. Voilà, ça va être pas mal. Moi, pendant ce temps, je suis ici. Je suis ici. Alors, regardez où sont les flics et qu'est-ce qu'ils font. Encore, là, t'es toujours pas dans le champ. Non, mais ça va, mais reviens, il sera jamais aussi loin que ça. Tiens! Ouais, c'est pas mal. Ouais, oui, c'est ton fort. C'est-à-dire que tu, avant que je dise action. Il est quand même. Alors, voici les autres activités entre les prises de leçon. On vous laisse. Maintenant, attention, vide. Il faut vachement exagérer. Donc toi, faut que tu sois un peu hystérique. D'accord? Quoi? Mais tu m'avais juré que plus jamais tu partirais. Et moi, tu penses à moi? Action, répétition. Non. Je veux m'entraîner avec le trépied en même temps, du coup, parce que tu sais, genre, je dois faire. Je dois faire. Non, je pose les armes. Si. Non, non, si. Non, si, pas, ri. Parce qu'en fait, c'est débile les trucs. Vous pouvez être dans si. Quand je dis non, vous dites si. Non. Quand je dis non, vous dites si. Non. Si. Non. Si. Et ça fait non. Si. Et ça fait non. Si. Je vais vous expliquer une histoire que j'ai vécue. C'était une histoire un peu douloureuse à comprendre.
J'espère que vous êtes prêts parce que c'est pas facile, pas facile. En fait, c'était il y a un petit moment déjà. Mon fusil à pompe était bloqué, du coup j'ai pas réussi à tirer. Du coup j'ai un problème de fusil. La cartouche elle est mal partie, du coup ça a tué ma femme. Vous voyez comme vous êtes un vrai acteur, vous avez tout ça le texte. Ça c'est rien que mon texte à moi là, les gars. Allez, allez-moi ça. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo de test. Donc on va tester la vitesse. Si la vitesse de l'overboard, quand on est à la vitesse moyenne, est égale à la vitesse de Brian quand il marche. Jean Lassalle. Oh. Fais des dessins sur le sol. Je commence. Je vais prendre un petit bâton. Non, là. Ça, c'est moche. C'est quelqu'un. Ça. Et après, ici, Jamy. On a l'équipe de tournage. Viens. Ah, mais moi, je l'ai pris en fait, voilà. Voilà. J'essaie de rester le plus vous pris aussi possible. Avec le Alexis. Non, mais il y en a qui sont fait le rôle du réflecteur. Sert à réfléchir. Réfléchir à la lumière, et oui, c'est important ce métier. Mais en vrai, là, dans cette scène, je vais faire le cadavre. Du coup, le réflecteur, ce sera pas moi. Moi, je serai par terre sous un drap blanc. Donc. C'est triste. Je sais, on me le dit souvent. On a l'acteur principal qui commence à se préparer. Vous voyez qu'il est bien prêt. Les gars, je suis pieux. Nous avons l'actrice sur l'air qui fait. La police. Parle de ma chrétienté. Oui, cet homme n'est pas musulman. Il est chrétien. Oui. Oh, et nous avons Evan qui s'occupe de rester dans le champ. On dirait trop une auréole. Voilà. Qui se balade, il adore la forêt. Il se balade, il regarde. Il balance des bâtons. Voilà. Les enfants, tout à l'heure, on va aller se baigner. Alléluia. Mais pas dans la Garonne. Attention, c'est trop dangereux la Garonne. On va aller un peu plus loin. Suivez-moi. Suivez-moi, madame. Aujourd'hui, nous allons aller à la pop. Si t'as pas trop envie, Evan, ce que tu veux, c'est que tu t'assois sur le bord et tu mets juste un pied. Saint-Pierre-Plage. Ah ouais, mais en fait, l'intervention, elle est un petit peu plus difficile que ça. Elle est complexe, en fait, travailler vraiment. Allez, les gars. On va mouiller, s'il vous plaît. Le ballon. Allez. Oh, ça. Non, par contre, attention, mon frère. Elle filme. Oh, oui. Non! Si! Non! Si! Non! Si! Et donc, pour que ce soit drôle, il faut que toute cette scène soit vachement plus comme je disais tout à l'heure. Ok? Allez, on essaie. Moteur. Et action! Exterminateur, rends-toi! J'ai cerné! Relâche tes otages! Chef, quelle est la situation? C'est bon, je filme. Vous pouvez commencer par. Prise 1. Scène 2. Nancy. Bon, ça filme. Oui. Tiens. Là, je suis tombé. Et moi. Ça fait un peu à la. Endroit où. Non, regarde. Je vais te faire basculer comme ça et puis. Bonjour, il fait chaud en haut. Il est bonjour. Il fait chaud en bas. Mais non! C'est quoi? Non, si, il fait chaud en bas, on peut faire ça! Vu des tags! 1, 2, 3. Et salut à tous! Les copains! Voici! Attends! Et salut à tous, les copains! C'est Patoche! Et. C'est Philou! Ouais! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de Criminal et on va tous se tester là-dessus! Donc, on va la différence. D'abord le violet. Ah ben non, c'était pas du violet, c'était du orange parce que. Bonsoir les copains. Lui c'est Potoche. Lui c'est Philou. Et aujourd'hui on va faire.
présentation de Palomousse. Alors là, on est avec notre copain. Bonjour. Bonjour les gars. Bonjour les gars. Mais on peut le dire fort là. Salut les copains. Lui c'est Patoche. Et lui c'est Filou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tester les différents types de profs. Ouais. Alors les enfants, aujourd'hui on va parler de... Tu arrêtes. Qui? Il se prenait pas pendant qu'il dort. On va voir son arène de plus près. Ah non, on peut pas. Salut les copains. Lui c'est Patoche. Et lui c'est Filou. Ouais. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tester les différents types de livres. Donc, j'ai deux livres, Thomas 3, c'est pas juste. Donc, alors d'abord, on va voir le Robert et Nathan. C'est exactement pareil que le Becherel. Jean Lassalle. Bonjour. Aujourd'hui, on voit Alexis en train d'apprendre son texte. Regardez, il remue les lèvres. Il répète, il essaie d'apprendre. Ah, on voit le boss qui vient d'arriver. Les boss de lieu. Le boss. Il va nous niquer si on fait n'importe quoi. Du coup, on reste à l'écart. Là, vous voyez, c'est une fenêtre. Du coup, on est safe. Et là, il nous regarde. Désolé. Jules s'éclate au cadrage. Mais oui, il adore ça, Jules. Il adore. Il est trop content. Il adore. En fait, c'est un stage de nettoyage de vitres. Allez, ça démarre. Il vient de clapper. Madame, monsieur, bonjour. Voici le rappel des titres. Alors, c'est un bon milieu. Je sais pas, c'est pas un bon milieu. C'est un bon milieu. Et une fin de tournage. C'est hyper rapide là, c'est hyper rapide. Il y avait une grosse envie, genre. Julia fin de tournage, première action. Donc nous voici en fin de stage, la fine équipe qui assiste au début du montage du film. Et donc là, on va recueillir l'avis de Jules, parce que Jules doit nous quitter, il doit partir un peu avant tout le monde. Oh, ouais. Donc Jules, petit débriefing rapide. Voilà, on arrive à la fin du stage. On a passé 3 jours à écrire, 3 jours à tourner, on a fait plein de trucs. Qu'est-ce que t'en as retenu? Qu'est-ce que t'en penses du stage qu'on vient de faire? C'était bien. C'était bien, mais encore, qu'est-ce que t'as préféré? La caméra.
Ouais, toujours. Je vois que t'es plus à l'aise devant la caméra par rapport au dernier stage où t'étais peut-être un peu plus timide, un peu plus réservé. Là, tu t'es lâché un peu plus et t'as fait des trucs vraiment intéressants. Donc voilà, je trouve ça très bien. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va vous faire un petit tuto sur le montage. Donc on est des pros, hein, confirmés, on sait faire. Alexis va vous en dire un peu plus sur le montage. Alors le montage, c'est une pratique qui vient du Pérou. Ça a été inventé il y a très très longtemps avant que Jésus naisse. En fait, ça consiste à prendre plusieurs bouts de plusieurs vidéos, les rassembler, et puis après ça donne un bon résultat. Par exemple, vous voyez, on passe d'un fond vert à un fond avec une belle image. Vous voyez, l'image a été étirée, ça reste propre, c'est soigné. Et là, vous comprenez bien que quand il dit que ça a été inventé avant Jésus-Christ, ce n'était pas de suite avec les ordinateurs. Oui, mais c'était avant. Sur de la pierre, on faisait des montages sur de la pierre. Sur de la pierre, on assemblait, on prenait plusieurs bouts de pierre et on les mettait côte à côte et ça faisait un montage. Mais chaque pierre venait d'endroits différents. Et oui, comme le montage, ça vient tout le temps d'endroits différents. Voilà. Les scènes ne sont jamais au même endroit. Enfin, oui, et c'est comme pour le montage, il faut quand même être un expert, il faut connaître un peu plus le métier de l'audiovisuel qui, lui d'ailleurs, vient depuis pas très longtemps. Ça fait combien de temps, rappelle-nous, Lucas? Là, ça fait 47 ans exactement. 47 ans. Stagiaire, si vous voulez. Mais alors, comment faisait-on à l'époque préhistorique pour prendre des images et prendre du son? Alors en fait, c'est très simple. Voilà, comme il avait dit, on avait des sortes de bâtons creux où à l'intérieur on pouvait faire un bruit. Et comme une serbacane, voilà. Non, pas exactement. Attention, Jamy. Oui, non, c'est non. Quand on faisait un bruit dedans, en fait, ça se... Chaque fois qu'on écoutait, qu'on mettait le bâton à l'oreille, on re-entendait le bruit qu'on avait fait. Comme les gobelets. Et ça, c'était les premières prises de son. Et oui. Oh, c'est vraiment incroyable. Je viens d'apprendre quelque chose de fantastique. Oui, mais voilà. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ben rien de nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, on vous fait des très gros bisous. Des bisous. Et la prochaine fois, on fera une vidéo sur comment faire pousser un cactus en pleine nature. Pousser un cactus en pleine nature. Au revoir. Au revoir. Alors. Tiens. C'est reparti. Tiens. Non, c'est pas calé. Mais ça peut passer. Tiens. Non. Tiens. Non, ça pille. Il est sérieux là. Ouais. T'as dû remarquer le truc. Non, dis pas là. Tiens. Jean Lassalle. Donc nous voilà tous ensemble réunis, sauf Jules qui a dû partir un petit peu plus tôt, pour faire un débriefing de notre stage Fait ton cinéma 8 qui s'est passé à Saint-Pierre-d'Auriac. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour de table vidéo pour savoir ce que vous avez pensé du stage. Qu'est-ce que c'est que t'as préféré? Le jeu d'acteur. Ouais, ça... d'accord, sans surprise. Alors le fait, pour une fois, t'avais plein de rôles. Ouais. Ça fait quel effet? J'aime bien. Très bien, aimé être actrice. Filmer les making-of et je trouvais qu'on avait une bonne ambiance parce que des fois quand il y en avait un qui partait ou qui disait moule, après l'autre il disait frites et après on rigolait. Ok, c'est du jeu. Et les trois premiers jours, l'écriture, t'as trouvé ça comment? Long. Ouais, c'était long. Il y avait une bonne ambiance, enfin ça allait vite, du coup le scénario a été vite bouclé, après il fallait plus que peaufiner. Il y avait plusieurs rôles, je pense que tout le monde a à peu près bien aimé ce qu'il devait faire comme rôle. Moi, je sais que j'ai essayé de jouer à fond mes rôles. Après, par rapport au stage, ce que j'ai pas aimé, il n'y a pas de truc que j'ai pas aimé. Enfin, on s'amusait, on rigolait, on chantait. D'ailleurs, on a composé une chanson. Bon, ouais, c'est un bravo. Enfin, merci pour le stage et sinon, c'est bien. Là, à Saint-Pierre, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on a été efficace. Déjà, le dernier jour, on a terminé... À midi, on avait fini quoi. On avait fini déjà à midi, alors qu'il y a des stages où on avait terminé à 23h. Enfin, quand j'étais ou même d'autres. Fortin, on a fini tard. Là, du coup, on a pu faire du montage. C'est cool parce qu'on le fait pas souvent. Puis on a pu refaire des scènes qu'on avait oubliées, par exemple. Donc voilà. Après, bonne ambiance, tout ça. J'ai aimé, c'est tout. Mais après, il y a pas trop que j'ai pas aimé. D'accord, c'est bien résumé. Et ouais, faut développer un peu. Alors déjà les premiers jours, l'écriture, trois jours d'écriture, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah c'était un long. Ouais. Mais c'était juste long? C'était intéressant quand même un peu? Oui, c'est intéressant. D'accord.
Et après, alors le jeu d'acteur du coup, c'était une première fois pour toi? T'avais déjà joué dans des trucs un peu, tourné? Non. Alors que ça fait quel effet? Bah, je sais pas trop. J'ai bien aimé un peu tout, surtout les montages, je voulais regarder cette fois et j'ai réussi. Parce qu'on a fini vendredi matin, on avait déjà tout fini. Enfin, on avait juste à regarder le montage l'après-midi, du coup on s'est bien amusé. Moi je suis super content. Ça faisait longtemps qu'un stage ne s'était pas passé aussi bien. Mmh. Vraiment, vous êtes tous. Vous avez été agréables, vous avez été disponibles. Il n'y a pas eu besoin que je me fâche pour faire avancer les trucs. Quand il y avait des coups de speed, je vous ai un peu bougé, vous avez dit allez, maintenant il faut se dépêcher. Tout le monde s'est dépêché, j'ai pas eu à râler. Il y a eu une super ambiance, moi je suis très content de l'ambiance. Moi j'étais très détendu toute la journée, on a pu un peu déconner, faire des blagues, tout en restant sérieux en avançant le film. Le film il a bien avancé. Le premier stage on finit super tôt, du coup on a eu vraiment du temps pour voir le montage, donc ça je suis très content, vous avez pu voir un peu le montage. Voilà. Et puis très amusant de faire un projet comme ça, un journal télé, c'était l'occasion de faire plein de petits sketchs, donc c'est une logique différente. Quand on a la contrainte de faire pendant 20 minutes un court métrage de fiction avec des personnages qu'on va développer, une intrigue qui doit se tenir, etc. Donc moi je vous remercie, je vous dis bravo. Bravo. Franchement c'était cool. Super. Merci. Très agréable. Moi j'ai passé une super semaine, je pense que le film va être très sympa. Et c'était très agréable. Attends, ferme. Voilà. Bon, mais voilà! Manque de chaleur, ouais, mais on va se servir!